Bonsoir chers frères, bonsoir chers sœurs, je suis le frère Cyril Levesque qui vous conduit chaque soir au cœur d'une oreille attentive, vous écoute dans le silence de la nuit. Avant de dormir cette nuit, j'aimerais qu'ensemble nous puissions proclamer des paroles de vie et de victoire sur nos vies, sur nos maisons, sur nos actions. Alors bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, peu importe le lieu où tu te trouves en ce moment, s'il y a une possibilité pour toi d'entrer dans une intimité profonde avec Christ, alors rejoins-nous au cœur de cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous prenons Proverbe chapitre 18, le verset 21. Il nous dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Alors, nous allons confier au Seigneur cette semaine. Et nous disons ensemble, je domine en cette semaine. En cette semaine, c'est moi qui domine. L'autorité de Dieu ne sera pas contestée dans ma vie. Dieu seul exerce l'autorité sur ma vie. Alors, prie avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tout ce que je dois voir cette semaine. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare, concernant ma vie, que Dieu seul a autorité, Dieu seul exerce l'autorité. Je me tiens fermement contre toute chose, toute force, toute puissance, toute autorité qui cherchera à me nuire, de quelque manière que ce soit. Je me tiens contre ces puissances et je déclare au nom de Jésus que ma vie est une zone interdite pour le diable et ses acolytes. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette déclaration que tu fais en ce moment est une déclaration prophétique. Au nom de Jésus, j'écrase toute chose venue des ténèbres. Je ne leur permets pas d'opérer dans ma vie. J'ordonne qu'ils disparaissent de ma vie au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères, je déclare toute activité démoniaque, nulle et non avenue, dans ma vie en cette semaine. Au nom de Jésus, j'appelle le jugement de Dieu sur toute puissance qui s'attaquerait à ma vie en cette année. Au nom de Jésus, je déracine tout ce qui est à moi, qui ne vient pas de Dieu, dehors, au nom de Jésus. Je me sépare d'avec toute chose qui vient des ténèbres, toute personne qui vient des ténèbres ou qui agit pour le compte des ténèbres. Je brise leur influence sur ma vie. Je me sépare d'elles maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je consacre ma vie à Dieu. Je consacre ma famille à Dieu. Je consacre mes projets, mes études, mon mariage, mon célibat, tout ce qui est lié à ma vie. Je consacre cela au Seigneur. Je consacre ma vie au Fils de Dieu. Je déclare que la volonté de Dieu sera accomplie dans ma vie en cette semaine au nom de Jésus. Je vais penser comme Dieu pense. Je vais parler comme Dieu parle. Je vais agir comme Dieu agit parce que j'ai la pensée de Christ, parce que j'obéis à la voix de Dieu et parce que je suis des voix de Dieu. Que le Seigneur en cette nuit t'accorde la grâce et la libération. Que le Seigneur en cette nuit déverse sa puissance sur toi, sur ta famille, sur tes études, sur ton épouse, sur ton époux, sur ton fiancé, ta fiancée. Je prie cette nuit que l'homme de la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je déclare que jusqu'à la fin de cette semaine, tu rends le témoignage au nom puissant de Jésus. J'opère dans la dimension surnaturelle et je plonge ton existence à l'instant même. Que tu sois admissible à tout concours au nom de Jésus. Que tu sois admissible à ton examen au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est lié positivement à ta vie soit accompli au nom de Jésus. Je déclare que cette nuit, les anges veillent sur toi et que le regard de Dieu soit avec toi. Dis avec moi, Amen. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Amen. Que le Seigneur veille sur toi, qui te bénisse, qui te garde. Que cette nuit soit pour toi une nuit à mille merveilles de Dieu. Que les étoiles éclairent ta maison. Si cette prière t'a fait du bien, alors partage-la autour de toi. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Je suis convaincu que le Seigneur lui donnera la force et la victoire dans tout ce qu'il fera
au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux m'écrire ou m'envoyer ton témoignage au 2x07 09 38 87. À bientôt pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.